Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, un peu de piano avec le célébrissime Adagio d'Albinoni. Alors on pourrait croire que l'auteur en est effectivement Tommaso Albinoni, un compositeur italien du 18e siècle. Mais en fait, pas tout à fait, puisque ce morceau a été écrit par un certain Remo Giazzotto, un musicologue du 20e siècle, et celui-ci aurait retrouvé dans les ruines de la bibliothèque de Dresde qui avait été bombardée en 1945, un fragment d'une partition manuscrite d'Albinoni, et dont il se serait inspiré pour écrire cet Adagio. Celui-ci a donc été publié en 1958, et depuis il a fait le tour du monde, il y a plein d'artistes qui l'ont repris, on le retrouve dans d'innombrables films et séries télé. Enfin bref, c'est le genre de pièce à connaître. À la fin de la vidéo, je vous fais un récap comme d'habitude des explications, mais j'ai rajouté un petit effet sur mon clavier. J'ai pas osé le mettre au début, je me suis dit que ça ferait un peu too much. Mais si vous voulez aller l'écouter dès tout de suite, c'est à ce timing-là. Allez, explication. Alors, trois parties pour l'extrait de ce morceau que je voudrais vous expliquer. Partie A, B et C. Dans la partie A, nous aurons 8 mesures. Alors, afin de s'y retrouver, repérons le do du milieu qui, sur mon clavier, se trouve ici. Ok, super. Alors voyons la main gauche pour les 8 mesures de cette partie A. On va placer le pouce sur la note Sol, donc une carte en dessous du do du milieu. Rac, à cet endroit-là, d'accord. Et vous allez étirer le petit doigt jusqu'au Sol en dessous. À la main gauche, on n'aura que des octaves. Ça, c'est bien parce que c'est pratique à expliquer. J'adore. Donc nous sommes dans une mesure à 3 temps. Et la première mesure donnera donc ceci. On va commencer par le Sol basse. Et ça va donner 1, 2... 3. Bravo, vous avez fait la première mesure. Et par la même occasion, tout le système d'accompagnement de l'ensemble du morceau. Ouais! Donc première mesure, Sol, Sol, Sol. Ensuite, deuxième mesure, vous descendez tout sur un Fa, Fa. Et on fait pareil. 1, 2, 3. Cool. Troisième mesure, on va vers un Mi bémol. Alors attention, effectivement, nous sommes dans un morceau en Sol mineur. On a donc les notes Si et Mi qui seront toujours bémol. Sauf indication contraire. Donc troisième mesure, Mi bémol, Mi bémol. Mi bémol. Quatrième mesure, Ré, Ré, Ré. Alors comme le système est toujours pareil, ce que je vais faire, c'est juste vous donner le nom des octaves pour chacune de ces mesures. Donc je refais les quatre premières. On aura besoin de Sol, Sol. Deuxième mesure, Fa, Fa. Troisième mesure, Mi bémol. Quatrième mesure, Ré. Cinquième mesure, Do. Sixième mesure, Do dièse. Septième mesure, Ré. Et on terminera à la huitième mesure par Sol à nouveau. Génial! Donc pour bien démarrer, vous repérez bien le chemin de ce que je vous ai dit. Vous refaites uniquement les octaves, d'accord? Et ensuite, une fois que vous avez retenu les notes qui sont jouées, paf, bah vous pouvez essayer de le refaire avec les octaves. 1, 2, 3. Deuxième mesure, 2, 3. Troisième mesure, etc., etc., jusqu'à la huitième. Voyons maintenant la main droite. Donc je remontre mon doigt du milieu qui est toujours ici. Hein. Et on va commencer par un accord de Sol mineur à la main droite, un Sol mineur renversé qu'on va jouer comme ça. Si bémol, Ré, Sol. Voilà. Donc ça c'est le premier accord qu'on gardera enfoncé deux mesures complètes. Donc si on le comptait, ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais. À la troisième mesure, on va se diriger vers un Mi bémol, Sol, qu'on va jouer ensemble avec pouce 2. Et on va pas traîner sur le Sol puisqu'on va faire... Voilà, ça c'est le premier plan qu'il faut bien travailler. Sol à Si. D'accord. Et vous gardez le pouce enfoncé sur le Mi bémol. On est vraiment sur une écriture à plusieurs voix, donc Sol à Si. D'accord. Si on le comptait, 1, 2, 3. Et à la fin du troisième temps, on rejoue le Sol et on retape le Sol sur la quatrième mesure qu'on gardera enfoncé. Donc troisième et quatrième mesure. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Vous avez fait la moitié de la partie A. Je propose qu'on mette tout de suite les mains ensemble. Alors, c'est parti. Pour l'instant, sans la pédale, je vous montre juste après comment il faut bien la placer. Alors, première mesure. 1, 2, 3. Deuxième mesure. 2, 3. Troisième mesure. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc faites vraiment gaffe à la mesure 3 quand on est sur Mi bémol à la main gauche et qu'on fait la petite montée Sol à Si. Faut pas traîner sur le Sol à Si. Et le Mi bémol pouce de la main gauche, donc oui, devra être joué après le Si bémol aigu, c'est-à-dire 1, 2. Voilà, c'est juste ça qu'il faut bien faire gaffe. 1, 2, 3 et 1. C'était la quatrième mesure. Voilà. Une fois qu'on est rendu ici, mesure 5. La main gauche va donc sur Do, Do. D'accord. À la main droite, on va retrouver notre petite roulette avec ce coup-ci les notes Mi bémol et La. D'accord. Et ici, on va faire La, Si, Do. Même principe, le pouce reste enfoncé. Donc Mi bémol, La bécard, La, Si bémol et Do. Ok. Donc avec la main gauche, mesure 5. 1,
2, 3. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, la mesure 6, à la main gauche, on monte sur Do dièse, d'accord. Et à la main droite, on va faire Mi bécard et Si bémol. Et là, pareil, petite roulette, Si, La, Si, même principe, le pouce reste enfoncé. Donc, mesure 6, 1, 2, 3, voilà. Mesure 5 et 6, donc Do à la main gauche, Mi bémol, La à la main droite. 1, 2, 3, mesure 6, 1, 2, 3. Mesure 7, la main gauche va sur Ré, à la main droite on va sur Ré et La, d'accord. Et on retrouve la petite roulette, ce coup-ci sur les notes, La, Sol, La, ok. Donc on ferait comme ça, La, Sol, La, ok. Et sur le troisième temps de cette septième mesure, le pouce descendra sur un Do, d'accord. Et le petit doigt jouera le Sol, puis Fa dièse. Donc, toute cette septième mesure. 1, 2, 3, tac, tac, d'accord. Et à la huitième mesure, on retrouvera notre accord de Sol mineur. Alors, la mesure 7, les deux mains. 1, 2, 3. Vous voyez, le troisième temps, j'ai bien le Ré à la main gauche, le Do à la main droite. Et après, je ferai un petit ralenti pour faire le Sol, Fa dièse, ok. Et on reviendra sur Sol mineur, donc main droite, on plaque. Et on retrouve le Sol à la main gauche. 1, 2, 3. Je vous refais ces mesures 7 et 8. 1, 2, 3. Petit ralenti. 1, 2, 3. Voilà. Alors, je vous fais juste une petite explication maintenant pour comment bien placer la pédale. Alors, comme d'hab, c'est toujours très artisanal, hein, les productions Galago. Je vais donc filmer mon pied avec mon téléphone portable. Ça va être moche, je vous le dis, mais en tous les cas, ça vous permettra de bien repérer ce qu'il faut faire. Ouh, que c'est laid. Bon, alors on prend comme exemple la main gauche. L'idée, ça va être de changer la pédale dès qu'on change de mesure. Donc je prends que la main gauche, parce que sans la main droite est occupée à tenir le téléphone. Ça donnerait donc ça. Au début, vous appuyez dès le départ. Ok, donc on va faire Sol, 2, 3. Ensuite, on serait tenté d'enlever le pied en même temps que les doigts. Sauf que non. Ce qu'on veut, c'est créer un tuilage. C'est-à-dire qu'on va faire entendre le premier temps de la mesure d'après. Et c'est juste après ce premier temps que le pied va se relever. Bon, je vous le fais. Donc, j'appuie au départ. 1, 2, 3. Le premier temps d'après est enfoncé. Tac. Et c'est là que je vais changer la pédale. D'accord. C'est très important. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je continue vers mi bémol. Premier temps. 1, 2, 3. Le Ré. 1, 2, 3. Etc. Et ce sera comme ça partout dans tous les morceaux. Donc, je vous refais toute cette partie A avec la pédale. 1, 2, 3, 1, hop hop, je change, 2, 3, troisième mesure, 2, 3, et 1, je change, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, un petit ralenti, et pif, je change, 2, 3, cool. Alors, partie B, on aura 12 mesures. Alors, c'est vraiment à partir d'ici que l'émotion s'intensifie. Vous savez, c'est quand ça fait... C'est dramatique. Etc. Alors, donc, la main gauche, pour les 4 premières mesures, on aura besoin... Donc, première mesure de la partie B, on aura besoin de Sol, Sol, qu'on fera pareil, hein, toujours ce système de petit doigt, pouce, re-petit doigt, d'accord. Mesure 2 du B, La, La. Troisième mesure, c'est toujours La, La. Et quatrième mesure, c'est Si bémol. Voilà. Donc Sol, La, La, Si bémol. Super. À la main droite, donc mon Do du milieu est toujours ici, hein. Je vais chercher le Sol, une quinte au-dessus, je vais placer mon pouce et je vais jouer le Ré en plus du Sol. Et on va faire ceci. 1, 2 et 3 et 1. D'accord. Le Do-Sol, c'est le premier temps de la deuxième mesure. Donc j'ai fait Sol-Ré, ensuite Do, Si bémol, La, Sol. Ok, le Do, Si, La, Sol sont des croches pointées doubles. Alors je vous le fais en comptant les temps. 1, 2 et 3 et 1. Vous voyez vraiment les croches pointées doubles donnent cette impression de je tire une note et je raccourcis la suivante. C'est pas exactement du shuffle, hein, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus serré, on va dire, sur la fin du temps. Alors cette première mesure. 1, 2 et 3 et 1. Voilà. Premier temps de la deuxième mesure, je suis donc sur La à la main gauche, avec Do-Sol à la main droite. Ce Do-Sol durera deux temps, et on jouera ensuite
fa dièse sur le troisième temps, en conservant le do enfoncé. 1, 2, 3. Cool. La troisième mesure, on va redéplacer la main droite sur la et mi bémol. D'accord. Et on va faire la mi, ré, do, si, la, hop, et ré, la. C'est le premier temps de la quatrième mesure. Donc encore la troisième, la mi, ré, do, si bémol, la. D'accord. Avec la main gauche qui reste toujours sur la la, comme on avait dit. 1, 2 et 3. Et voilà. Et donc la quatrième mesure, la main gauche montera sur si bémol et la main droite descendra sur ré la. Ce ré la durera deux temps et on jouera sol sur le troisième. Donc quatrième mesure. 1, 2, 3. Voilà. Donc mesure 3 et 4. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on a fait ce qu'on appelle une marche d'harmonie, c'est-à-dire qu'on a refait en fait deux fois la même chose, mais on a monté toute la mélodie un petit peu plus aiguë. Bon, je rentre pas dans le détail, hein, mais globalement, voilà, c'est ça. Alors, les quatre premières mesures de ce B. 1, 2 et 3. Et 1, 2, 3. Troisième mesure. 2 et 3. Et 1, 2, 3. Mesure 5, là ça devient ouf de tristesse. C'est quand ça fait. Alors c'est quand même vachement beau. Donc à la main gauche, on aura besoin de si bécart. Et oui, ce coup-ci, à la mesure 5. Mesure 6, on aura besoin de dodo. Mesure 7, la la. Et mesure 8, si bémol. D'accord ? Mesure 5. Mesure 6, mesure 7, mesure 8, avec toujours, hein, bien entendu, le même principe. Hein, tac, mesure 6, tac, tac, mesure 7, et mesure 8. Cool. À la main droite, mesure 5, on aura donc ré sol. Donc là, on s'est bien éloigné du do du milieu. Hein, pour repérer l'endroit en question, vous prenez le do à l'octave, d'accord. Et on aura besoin du ré qui est juste à droite. Clic, vous mettez le pouce dessus et le 4 sur le sol. Donc on aura noir. 2, croche, triolet, 1. Et là, le mi bémol, c'est le premier temps de la mesure 6. Alors, ré sol, premier temps, ensuite fa, sol, 2 croches. Troisième temps, un triolet, on va avoir mi bémol, fa, ré. Et dès que vous avez joué ce ré, il faudra rameuter le petit doigt. Vous voyez comment je fais, rac, pour choper le mi bémol qui est juste à côté. Donc, 1, 2, 3. 1, d'accord, avec les deux mains. 1, 2, 3. 1, d'accord. Et le mi bémol atterrira en même temps que la main gauche joue la note do. Donc mesure 6, quand on a joué ce mi bémol, on va retrouver deux croches puis un triolet. On va faire do, ré, si, do, la. Je refais. Premier temps, jouez bien à l'intérieur des touches, hein, parce que sinon votre main va être tordue et tout, c'est pas super. Mi bémol, do, ré, si bémol, do, la. Ok, avec la main gauche. En fait, c'est le même rythme que la mesure d'avant. Hein. Donc, 1, 2, et, 3, et. Voilà. Donc, mesure 5 et 6. Donc, ré sol, main droite, si bécart à la main gauche. 1, 2, 3. 1, 2, et, 3, et. Ensuite, la main gauche va sur la, la, d'accord. La main droite jouera fa au petit doigt. Puis, mi, fa, ré, mi, do, ré, le ré, c'est la mesure d'après. Et on retrouve le même rythme, noir, deux, croche, triolet, ré, premier temps de la mesure suivante. Avec la main gauche, la, en dessous. 1, 2, et, 3, et. Donc le ré avec si bémol à la main gauche. Voilà. Donc là, on est sur la huitième mesure quand on joue si bémol et ré à la main droite. Dans cette huitième mesure, la main droite fera ré, si, do, la, si, sol, ok. Ré, si bémol, do, la, si bémol, sol, avec la main gauche. Ré, si, do, la, si, sol. Et le premier temps de la mesure d'après, mi bémol tout seul à la main droite avec sol à la main gauche. Donc je vous rejoue les mesures 5, 6, 7, 8. Donc c'est celles-là qui sont un petit peu difficiles. C'est pour ça qu'il faut bien le travailler lentement. N'hésitez pas à mettre pause, hein, la vidéo.
Ré sol main droite, si bécard à la main gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et 1. Voilà, on est rendu, mesure 9. Alors dans cette mesure, on est sur sol à la main gauche. Et à la main droite, on va jouer mi bémol, suivi de ré, mi, do, ré, si bémol. Même rythme toujours, noir, deux croches, triolet, deux croches. 1, 2 et 3 et. Ok. La mesure suivante, la main gauche va monter sur un la-la. Ok. Et la main droite jouera la-do, juste à côté. Et enfin, ça se calme, puisque la main droite gardera ça enfoncé trois temps. Ça, c'est fastoche. 1, 2, 3. Donc les mesures 9 et 10, je rejoue ça. Donc à la main gauche, sol, petit doigt et mi bémol à la main droite. 1, 2 et 3 et 1, 2, 3. À la mesure suivante, on va avoir si bémol ré à la main droite et si bémol à la main gauche. Donc on fera 1, 2, et là c'est la seule exception. La main gauche ne rejouera pas le si bémol au petit doigt, mais jouera la note do. Donc la main gauche de cette mesure, c'est bien si bémol, si bémol, do. Et quand on jouera ce do, comme il ne fait pas partie de la même harmonie que celle des deux premiers temps, il faudra changer la pédale à nouveau. Donc j'enfonce la pédale sur si bémol, si bémol, je joue le do, je change la pédale et je rappuie tout de suite. Et il faudra sur le temps suivant, sur la note ré de main gauche, resoulever la pédale pour rechanger le sustain. Alors encore les mesures 11 et 12. 1, 2, la note do, je change de pédale, et puis la note ré qui termine cette partie B. À la main droite, on a donc si bémol ré, et sur le troisième temps, la et mi bémol. D'accord? Et sur la douzième mesure, on fera sol ré sur le premier temps. Donc mesure 11 et 12. 1, 2, troisième temps, je vais hop, changer la pédale. Et dernière mesure, mesure 12. On est en suspension comme ça. Encore cette fin. 1, 2, 3. Et arrivé sur cette douzième mesure, là on attend, on n'est plus obligé de compter, il faut vraiment le faire au ressenti. Donc le sol ré, vous le faites traîner comme ça, et dès que vous en avez assez, on va jouer la note fa dièse. Là pareil, il faudra vraiment changer la pédale, parce que sinon, sol et fa dièse vont se mélanger, ça va pas être joli du tout. Donc là l'accord, on dit qu'il est suspendu, c'est un ré suspendu, et il devient ré majeur. Et ce fa dièse, c'est pareil, on le fera attendre autant de temps qu'on veut avant de relancer la petite mélodie qui suit. Sol, la, si, la, sol, fa, sol. Qui nous permet d'aborder la dernière partie, la partie C. Donc cette douzième mesure, ré main gauche, sol et ré main droite. D'accord, on fait traîner. Fa dièse, je change bien la pédale. J'enlève la pédale, j'enlève tout. Et ensuite donc, sol, la, si, la, sol, fa dièse, sol. Voilà. Je vous refais toute cette partie B. Sol main gauche, sol ré main droite. 1, 2 et 3. Et 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2, 3. Mesure 5. Voilà, sur toute cette partie-là, hein, vous appuyez bien sur vos doigts. À partir d'ici qu'on va faire un petit décrescendo, donc on joue un peu moins fort au fur et à mesure, changement de pédale, là c'est peut-être un petit peu abusé, mais c'est joli quand même, fa dièse. Partie C, donc la première mesure de cette partie C, c'est donc bien le la, si, la, sol, fa, sol, et donc pour la deuxième mesure de la main gauche, on aura besoin des notes si bécard, à la troisième mesure do, do, et la quatrième mesure si bémol. Et on aura quasiment terminé, il nous manque 4 mesures pour boucler l'ensemble. Donc mesure 2 de cette partie C, je suis sur si bécard à la main droite, à la main gauche. Et à la main droite, je vais appuyer sur la note fa qui va durer 2 temps. Donc 1, 2, et là on a un petit truc assez rigolo qui va faire fa sol la, sol fa mi. Alors, comment je fais ça? Mon premier temps, je suis sur fa à la main droite. 1, 2, ok. Au troisième temps, je vais substituer ce 3 par le pouce. C'est assez courant hein, au piano de faire ça, de ne pas rejouer la même note avec le même doigt. Donc 1,
2 sur le troisième temps, donc fa sol la sol fa, d'accord, fa sol la sol fa mi. Le mi bémol en question, c'est le premier temps de la mesure 3. 1 2 3 et 1. Vous voyez, on a tout ça sur le troisième temps, c'est-à-dire fa sol la sol fa, tout ça c'est le troisième temps. Donc fa sol rapide, un petit peu plus long sur le la bémol, et sol fa très court aussi, fa sol la sol fa mi, afin d'arriver sur le premier temps d'après. Donc deuxième mesure de la partie C, 1 2 3 et 1. Voilà. Donc sur cette troisième mesure, la main droite va faire 1 2 et 3 et 1. Le ré, c'est la mesure 4. Donc j'ai fait mi bémol, ensuite do, mi bémol à nouveau avec le troisième doigt et le petit sol qui termine le dernier quart du troisième temps. 1 2 et 3. Tadam. OK, cette mesure 3 avec la main gauche. Do do pour celle-ci. 1 2 et 3 et voilà, dès que ça c'est fait, on va atterrir sur ré à la main droite et si bémol à la main gauche. 1 2 ré sol. Alors, j'ai fait quoi sur cette quatrième mesure? À la main droite, c'est le même principe que la mesure précédente. Ce coup-ci, la marche d'harmonie redescend vers les graves, donc ré si ré sol la bémol do. Très étonnant celui-là. Donc le la bémol do, c'est la mesure 5, le premier temps de la mesure 5. Donc sur cette quatrième mesure de la partie C, je fais si bémol au petit doigt. Donc 1, 2 et 3 et 1. Ouais. Donc la bémol do à la main droite et la bémol à la main gauche, premier temps de la mesure 5. Je vous refais ces quatre premières mesures du C. Sol, la, si, la, sol, fa, sol. Mesure 2, 2, fa, sol, la, sol, fa, mi. Retrouver à la main droite la petite histoire de tout à l'heure sur les notes do, ré, mi, ré, do et sol, si bémol, c'est le premier temps de la mesure d'après. Donc mesure 5, la bémol, do, la bémol à la main gauche. 1, 2, ta-da-da, ta-da-da. Ah, là, la main gauche, elle a grimpé d'un la bémol jusqu'à la note ré. Donc ré avec à la main droite sol, si bémol. Donc là, c'est la sixième mesure. Il nous en manque deux et c'est terminé. Donc 1, 2, et on retrouve encore notre petite histoire de main droite, si do ré, do si, d'accord, 1, 2, si do ré, do si, et la mesure 5, fa dièse la à la main droite et ré basse à la main gauche. Donc on était ici sur la mesure 6, pour la mesure 7, clac, on décale tout, et là, 1, 2, et à nouveau le principe de main droite, la si do, si la, ouais. La, si bémol, do, si bémol, la, et on terminera par le retour de l'accord de sol mineur renversé à la main droite, avec sol, sol, main gauche. Donc les mesures 7 et 8, on avait fa dièse, la, main droite, ré, main gauche. 1, 2, 3, et... Voilà, ici on ralentit bien vraiment sur la fin. 1, 2, la, si, do, si... Re tout le C pour être sûr, et c'est terminé. La, si, la, sol, fa, do. Troisième mesure. Quatrième mesure. Cinquième mesure. Et la sixième mesure. Et ben voilà, vous savez tout faire. Alors, je vous le rejoue en entier quand même pour terminer, mais avec un petit effet, parce que j'ai un joli clavier quand même. Merci Paul Becher. En appuyant sur le bouton Layer, clac, j'ai possibilité d'avoir le son piano plus un son supplémentaire qui vient s'intégrer. Et hop!
Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou bien à laisser un petit commentaire. Bonne musique à vous, je vous dis à très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao !